bon pour Shex. Les Super Strikers dominent Hydra. Super passe. El Matador prend l'espace. But! Les Super Strikers démontrent qu'ils sont en train de devenir l'une des meilleures équipes de la Super League. Hey, Knuckles, tu sais quoi? Quoi? Tu ressembles vraiment à ce Big Bo à la télé. Non. Vraiment? Vraiment, regarde! Tout le monde me dit ça, depuis l'époque où je jouais au foot en amateur. Toi, tu as joué au foot? Mais quel arrêt, Big Bo! Les Super Strikers vont-ils gagner sans encaisser le moindre but? I'm finally here. My heart is pounding. 50,000 fans screaming. I can't get my breath. The whistle sounding. With every ounce of effort, every skill that I've got, I'll play the Super League's greatest, give them my best shot. Every minute of the 90, now I'm gonna be a fighter. Cause 1, 2, 3, I'm a Super Striker. Striker. Ses buts inviolés. J'adore quand le tableau d'affichage indique 0 pour l'adversaire, tu sais. Hey Knuckles, tu devrais jouer dans l'équipe de foot de la prison, non? Hein? Ils auraient besoin d'un gars comme toi. Vu que tu as joué au foot en amateur, Big Bo vient entraîner l'équipe le mois prochain. Ça va lui faire un drôle de coup de rencontrer son double. Où est-ce que je dois signer? Bienvenue, Big Bo. Merci d'être venu. Avec plaisir, monsieur. Salut. Je suis Big Bo. Salut. Je suis Big Bo. Ravi de vous voir. Il ressemble vraiment à... Je sais, c'est son portrait craché. Je crois que je viens de rencontrer mon double. Bon, j'ai besoin d'un volontaire. Ça suffit pour aujourd'hui. Je fais l'appel dans 5 minutes. Voilà exactement ce qu'il me fallait pour me motiver avant nos matchs de Super League contre Saming United et FC Colossus. Je t'adore. Je veux dire, je t'aime bien, mec. J'arrive pas à croire que t'es vraiment là. Dépêche, Knuckles, demande ton autographe et dégage.
Big Bo, je peux te parler vite fait avant que tu partes? Bien sûr, mais faudra faire. Les détenus ont adoré l'atelier. Je parie que ces gars aimeraient être à votre place. Être libre et être une légende. Pas vrai, monsieur Beau? Si vous le dites, dès que la voiture s'arrête, je suis un homme libre. Nous sommes arrivés, monsieur Beau. Wow. Bonjour, monsieur. Cool Joe a appelé à propos d'une soirée privée au club ce soir. Vos tenues sont propres et prêtes pour le match de demain. Et votre télévision à écran géant a été installée ce matin. Vous recevez toutes les chaînes du monde, selon vos désirs. Si vous avez besoin d'autre chose, je serai dans mes quartiers. Je pourrais m'habituer à tout ça. Hein? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Salut, Knuckles. Quoi? Qui? Ferme-la, Knuckles. Je ne suis pas Knuckles. Je suis Big Bo. Je t'ai dit de la fermer, Knuckles, ou j'entre et je te la fais fermer. Et si tu te comportes aussi bêtement que Knuckles, t'es pas prêt de sortir. Jour de match à Strikeland. Allons-y, Big Bo. C'est bizarre. Les Super Strikers devraient dominer Saming United aujourd'hui. Big Bo, on a un match à gagner, mon frère. Pas de lézard, bonhomme. Hein? Les Super Strikers passent tout de suite à l'attaque. But! Shakes ouvre le score pour son équipe. Après seulement 2 minutes de jeu. Mais que fait Big Bo à côté de ses cages? Il est inconscient. Je suis sûr qu'il sait ce qu'il fait. C'est Big Bo après tout. Superbe sauvetage de North Shore sur la ligne de but. Hey mec, c'était quoi ça? Les Super Strikers repartent à l'attaque. But! Les Super Strikers mènent 2-0. Locke et North font tout le travail à l'arrière. Notre ami Big Bo n'a vraiment pas l'air dans son assiette. Ça se joue à 1 contre 1. L'attaquant seul face au gardien. Et but! Saming débloque son compteur. Saming met Big Bo dans l'embarras avec ce but. C'est passé entre les jambes du gardien. Aïe, aïe, aïe. C'est une première pour Big Bo. Hey, t'étais dans le sale drap aujourd'hui, Big Bo. Ouais, je veux dire, non, j'ai fait ma lessive hier soir. Quoi? Il y a quelque chose qui va pas, là. Nous retrouvons Ben Z, qui revient sur la prestation du légendaire gardien des Strikers, Big Bo. Ben? Rob, la forme de Big Bo est plus que jamais incertaine. En tout cas, aujourd'hui, ce n'était pas le Big Bo que nous connaissons. Oublie ce gars. Allons nous entraîner. Qu'est-ce que t'en dis? Si Big Bo joue comme ça, les Super Strikers ne poseront aucun problème à Colossus. Autant que je vous aide à vous entraîner. On a Knuckles avec nous. Knuckles? Je ne suis pas Knuckles. Prouve-leur. Big Bo. Comment prouver que...
que je suis qui je suis. Fais sauter la casquette du garde, là-bas. Désolé, mon pote. J'aime les soupes à Sfuckers. Allez, vas-y, montre-nous. Nous apprendre à jouer comme ça. Ouais. Cool, ouais. Allez. Vous voulez vraiment apprendre à jouer maintenant, les gars? Ouais, montre-nous. Allez, bon, s'il te plaît, allez, vas-y. Faut que je reste en pleine forme pour être prêt quand je sors d'ici. On va s'entraîner. Sortir d'ici? Tu rêves. Knuckles a eu de la chance. Officiel le week-end prochain sur le terrain de l'université. Bonne chance. Le terrain de l'université, c'est à côté de Strikeland. Hey, prêt Big Bo? Et comment? Les joueurs de Colossus sont plus forts. Nous n'avons pas encore gagné, mais nous allons faire de notre mieux. Et puis, nous portons tous le principal ingrédient. Vous êtes tous des Super Strikers. Montrons. Il écoute même pas. Cette équipe est plus qu'une collection d'individus. Je rêve. Il y a vraiment quelque chose qui cloche. Préparons-nous pour le match de Super League le plus difficile de tous. Le match Super Strikers Colossus est ce week-end. Au même moment que notre match. Mais sans Big Bo? Quoi? Les Super Strikers vont perdre à cause de Knuckles. Faut qu'on t'aide à t'échapper. Ben, on a du pain sur la planche, alors. C'est le jour du match et la grande question est... Le gardien remplaçant des Super Strikers, Noah Murdock, résistera-t-il à la pression de démarrer le match contre le FC Colossus? C'est une question à la Noah. Mais Noah est tout de même un super gardien. Allez les Super Strikers! Wouhou! Eh bien, espérons que Murdock ne se noie pas dans un verre d'eau. C'était Ben Z en direct live de Strikeland. Dommage, je me faisais une joie de marquer contre le nouveau Big Bo. Cause toujours. Murdock est solide comme gardien. Dommage, ça ne sera pas aussi facile que prévu. Eh bien, s'il joue vraiment trop bien, il faudra s'arranger pour faire revenir Big Bo sur le terrain. Je suis sûr que le coach te fera rentrer en cours de match. C'est pas grave. Du moment qu'on gagne, hein. Alors, Shakes, tu comptes rester planté là? C'est pas pratique pour marquer des buts, ça, mon frère. Les gars, je ne crois pas que ce soit Big Bo. Shakes, tu es loco. Je vous assure, quelque chose cloche. Shakes, je suis entièrement d'accord avec toi. Tout ça, ça sent mauvais. Mais on peut pas s'en soucier maintenant. On a un match à gagner. Si on a une avance confortable, je te ferai peut-être entrer. Pas de problème. Monsieur. Tu peux enlever tes gants en attendant. Non. Je veux être prêt au cas où. Repasse-moi la balle! Knuckles s'est échappé!
vient un bel arrêt du gardien remplaçant des Super Strikers. Jusqu'ici, on peut dire que Noah Murdock a fait une belle partie aujourd'hui. Il est temps de faire revenir Big Bo sur le terrain. Oh, Murdock est tombé lourdement. Oui, et il semble incapable de reprendre le jeu. Les Super Strikers vont devoir se tourner vers leur gardien titulaire. Espérons qu'il s'en sortira mieux que la dernière fois. Catastrophe pour les Super Strikers. Ils sont menés 1-0 par Colossus. Maintenant, Colossus mène par 2-0. Oh, les efforts des Super Strikers risquent d'être inutiles. Espérons qu'ils trouvent une solution à la mi-temps. Je ne comprends pas quel est son problème. On ne peut pas gagner dans ces conditions. Hey, Big Bo, bonne première mi-temps, man. Quoi? Tu te débrouilles super bien. Je le savais. Hein? T'es pas Big Bo. Moi? Non, 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 je suis moi! Big Bo! Tu es revenu! Qu'est-ce qui s'est passé? Qui c'est? Attends, où il est passé? Pas le temps d'expliquer. Quel est le score? 2-0. C'est moche. Bon, allons réparer ça. Les gars, c'est bon d'être de retour. Tu es sorti il y a seulement 2 minutes. Les gars, pas vraiment le temps d'expliquer. Je sais que ça sonne bizarre, mais ce type était un imposteur. Ça, c'est le vrai Big Bo. Allons marquer quelques buts. À 3, 1, 2, 3, Super Strikers! Quelqu'un a réveillé Big Bo à la mi-temps, semble-t-il. Il est sur tous les ballons. Pour la première fois aujourd'hui, il est intraitable. Les Super Strikers sont de retour. Les Super Strikers débloquent leur compteur. Big Bo s'est littéralement promené pour arrêter ce tir. Et cette relance met les Super Strikers sur orbite. Le ballon s'envole. Check se faufile. But! Les Super Strikers égalisent. Ils risquent de payer leurs efforts de la première mi-temps cette fin de match. Et maintenant, les Super Strikers vont devoir tout donner. On est à la 88e minute, et Big Bo doit juste s'accrocher pour préserver le match nul. Incroyable! C'est comme si... Il les défiait de l'attaquer! C'est incroyable! Dancing Rasta! Passe-moi la balle!
Super Strikers! C'était incroyable, mec. Hey, c'est tellement bon de te retrouver, Big Bo. Ce match, c'était quelque chose. Eh bien, je dois remercier une autre équipe de m'avoir rappelé qui j'étais vraiment. Mais cette histoire peut attendre. Au fait, j'allais oublier quelque chose. Allô, la police? Je sais où vous trouverez l'homme qui s'est échappé pendant le match de foot de la prison, cet après-midi. Mon plan était parfait! Comment Big Bo s'est-il échappé si vite? Et c'est quoi ça? Je sais pas. Bonne nuit, colocataire. Sont les nouveaux champions de la Super League. Champion de la Super League. Il est normal que ce soit Shakes qui soulève le trophée. C'est sa frappe de balle qui a décroché la coupe. Il est énorme. Strikers rêvent s'ils croient qu'ils ont une chance de gagner la Super League. Nous allons les écraser. Donc, vous allez suivre leur match contre Hydra aujourd'hui? Absolument. Ce sont les derniers mots des tanks de fer. C'est le grand jour. I'm finally here. My heart is pounding. 50,000 fans screaming. I can't get my breath. The whistle sounding. With every ounce of effort, every skill that I've got, I'll play the Super League's greatest, give them my best shot. Every minute of the 90, now I'm gonna be a fighter. Cause 1, 2, 3, I'm a super striker. Striker. Super Strikers! Ça, c'est un drôle de rêve, amigo. Tu peux pas t'enlever le titre de Super League de la tête, hein? T'as raison. Un autre but, peut-être? Hydra semble avoir oublié où est le but des Super Strikers. On peut dire que le jeu collectif des Strikers s'est amélioré au fil des matchs cette saison. Tout comme le nôtre. Voyez comme chaque joueur semble savoir où les autres vont aller. Une énorme pression pèse sur la défense. Deux attaquants face au gardien. Je parie sur l'attaque. 3-0 pour Super Strikers. Shakes et El Matador forment une sacrée équipe. Un jeu d'enfant. J'y vois plus rien. C'est quoi, ça?
Ça, c'est une paire de... sumo. Ils jouent bien. C'est vrai qu'ils sont en forme. Nous allons les écraser. Ça, c'est certain. Nous sommes les tanks de fer. Oh. Oui. Vous êtes les prochains, les amis. Olé! Oh, je crois que El Matador lance un défi. Oui, je suis sûr qu'il est le seul Super Striker assez fou pour se réjouir de la rencontre à venir avec la formation la plus dangereuse de la Super League, les Tanks de Fer. Oh. Bravo, les garçons. Ça se présente bien. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Quant à votre petite célébration sur le terrain, ce genre de fierté se paye généralement d'une belle gamelle. Prochaine étape, les tanks de fer. Professeur? La machine est prête, coach. Excellent. Mais les tanks de fer demeurent invaincus cette saison. Il semble bien parti pour le titre une nouvelle fois. Mais non, oh non, non, mais ça va c'est pas, ridicule. Non. N'importe. J'avais bien dit. À mon avis, tu sens bizarre. Et c'est pour ça que tu restes collé devant ta caméra et que t'as pas d'amis. Ça suffit, on y est. L'Institut technologique du fitness. Ouh, j'aurais peut-être un massage. C'est ici qu'on s'entraîne pour le match contre les tanks? Ton entraînement a commencé en arrivant chez les Super Strikers. Et c'est à partir d'ici qu'il va passer à l'étape supérieure. Désormais, nous travaillerons avec une machine qui renforcera la puissance de l'effectif avant le match contre les tanks. Le match maître. Hein? Qu'est-ce que c'est? Professeur? Le match maître enregistre vos signes vitaux. Masse musculaire, adresse, force, vitesse. Il les compare alors à ceux de votre adversaire direct chez les tanks et calcule un programme d'entraînement pour vous mettre physiquement au niveau. Votre programme poussera votre corps à ses limites. Et sans blessure. Vous êtes sérieux? Ce truc fonctionne vraiment? Bien sûr! C'est génial! Brillant! Ça marche. Notre équipe a forcément des points faibles et je n'en veux plus aucun. Bloc, tu passes en premier. Chex, tu seras le dernier aujourd'hui. C'est le dernier de l'équipe. Intéressant. Je déteste les abdos. On peut pas les refiler à quelqu'un d'autre. Coach? Je suis plutôt conquis par cette technologie, mais ce programme a tout faux avec toi, Shex. Tout faux? Mais pourquoi ça?
Il est trop dur, Shex. Je ne veux pas de blessés dans l'équipe première. Mais... Garde ton programme habituel, ce sera mieux. Apprendre, retenir et agir. Comment voulez-vous que je me sente intégré dans l'équipe ? Ça brûle ! Ah, ça brûle ! Les gars, préparez-vous pour la seconde partie importante du programme. Laquelle ? Se reposer ? On va visionner le match des tanks contre Invincible United. Vous vous rappelez d'eux ? Ouais, c'est sur ce match qu'on évaluera nos chances contre les tanks. C'est le jour du match. J'espère que l'équipe qui reçoit est prête à affronter les surpuissants tanks de fer. On dirait que quelqu'un est venu demander quelques trucs au maestro pour arrêter les tanks en pleine action. Hey ! La semaine prochaine, c'est toi qui seras à la place de Skara. Voyons à quelle sauce l'Invincible United va manger ses visiteurs. Quoi que ce soit, j'espère pour eux que c'est chaud. Ça, ça va laisser des traces. Ce qui nous fait 3-0 pour les tanks de fer à quelques minutes de la fin. Hein ? Vous n'apprendrez jamais, hein ? Il est bienvenu, cet entraînement supplémentaire, non ? Ça, c'était très moche. Vous avez vu de quoi les tanks étaient capables. Mais quelle que soit leur qualité, vous serez prêts. Vous êtes en train de former une vraie équipe. Personne ne peut rien contre ça. Mettons-nous au travail. Comment est la vue depuis là-haut, Shex ? Magnifique. Hubert ne va rien comprendre. D'après ce que dit mon programme, je dois augmenter l'intensité aujourd'hui. Pas de problème. Maintenant, mon programme me dit de monter encore d'un cran. Professeur ? Oh, coach, petite chose. Shakes ne doit pas utiliser ce programme. Soyez tranquille, professeur. Je ne l'ai pas mis sur ce programme. Ah, bien, bien. Il pourrait se blesser gravement si on lui donnait un entraînement inadapté. Je sais, professeur. Je sais. Les gars, demain, c'est le grand jour, contre un sacré adversaire. Fiez-vous à votre entraînement. Jouez collectif.
Et il se peut que vous puissiez embrasser la coupe de la Super League. La coupe? Je croyais que c'était un trophée. Oh, man. À 3, 1, 2, 3, Super Strikers! La préparation du sommet tant attendu de la Super League est en cours à Strikerland. J'espère que les Super Strikers seront bien reposés. Les deux camps doivent aligner leurs meilleurs joueurs dans ce combat à mort, s'ils veulent rester en lice dans la compétition reine. Ah! Ah! Oh, ma jambe! Oh. Espérons que les joueurs vont faire le vide et se reposer ce soir. Que le meilleur gagne! Oh. Jour de match à Strikerland, pour une rencontre à n'en pas douter très physique. Je n'ai jamais ressenti une telle atmosphère! Qui va gagner le match? Je n'en sais rien! Si nous ne gagnons pas ce soir, on peut dire adieu à la Super League. Où est Shex? Shex! Waouh! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je ne peux pas y croire. Coach, je peux jouer. Mais... coach! Shex, va tout de suite chez le docteur. Et vois ce qu'elle peut faire pour ta jambe, mec. Et les voici. Enfin, presque tous. Mais pourquoi Klaus démarre-t-il aux côtés d'El Matador? Où est Shex? Hein? Incroyable. Les Super Strikers et les tanks de fer se rendent coup pour coup. Enfin, presque. Je craignais Shex en attaque. Mais toi? Et qui a dit que je voulais marquer, hein? Les Super Strikers ouvrent le score. Oh. Hey. Et voilà Shex, il rentre enfin sur le terrain. Mais attendez, il porte une genouillère? Mais comment va-t-il pouvoir affronter les tanks? Coach, super nouvelle! Je peux jouer au moins 15 minutes! Qui a dit que tu allais entrer en jeu? Quoi? Mais coach, il faut qu'on marque si on... Tu m'as désobéi! Tu t'es servi du programme! Tu as fait passer tes envies avant l'équipe! Assieds-toi! Oh là là, Hubert envoie un nouveau volley Klaus. Shex pourra-t-il faire la différence pour les Super Strikers? En tout cas, les tanks musellent vraiment les Super Strikers depuis le premier but. Les Strikers supportent bien le choc, cependant. Tout à fait, oui. Je me demande s'ils n'ont pas reçu un entraînement sur mesure, Mac. On dirait qu'il a été touché par la foudre. Et contrairement aux idées reçues, la foudre peut effectivement tomber deux fois au même endroit. Thor assène un coup de marteau et égalise pour les tanks. Coach, je peux le faire. Faites-moi entrer et je marquerai. Je capture. Je caresse. Hein? Hein? Oh. Oh. Ah. On est vraiment dans une impasse. Faites entrer Shex pour débloquer la situation pour les hommes en rouge. Shex, qu'est-ce que tu attends? Entre sur le terrain. Oui, coach. Shex va rentrer. Nous l'avions prédit, pas vrai?
Il était temps que tu rentres. Tu ne pouvais pas tenir 90 minutes, hein? J'aime les défis. Je comprends pourquoi tu étais sur le banc, petit. Il paraît que notre équipe a des points faibles. Tu savais? Allons prouver que Hubert est leur point faible, man. Heureusement qu'il me reste mes bras. Quel but énorme! Énorme! Je n'en crois pas mes yeux! Je vous l'ai dit, faire entrer Shake, c'était la meilleure chose à faire. Vous me l'aviez dit. Les Super Strikers ont créé l'exploit. Voilà qui met fin à la campagne des tanks cette saison. Mon genou va déjà mieux. Pourquoi le coach a-t-il changé d'avis à propos de moi? Parce que même si tu ne pouvais pas jouer longtemps, il fallait qu'on soit tous ensemble sur la pelouse. Au moins pour quelques minutes. Bon sang, je vous ai vraiment fait faux bond. J'ai pris de ces risques. Tu as eu de la chance cette fois. Mais à l'avenir, quand je donne un ordre, tu m'obéis. Shakes, tu as de la chance que coach t'aime bien. Malheureusement, nous, on n'est pas aussi cool que le coach. T'es corvée de laisser pour une semaine. Il ne reste que 10 minutes à jouer. Et le score est toujours nul à cette hauteur de la partie. Ouais, El Matador! Yo! Je suis démarqué! Passez le ballon, les gars! Shakes et Cool Joe étaient tous deux démarqués. El Matador se bat contre ses coéquipiers pour la possession de la balle. Ah, cette attitude pourrait coûter à l'équipe plus que quelques buts. I'm finally here. My heart is pounding. 50,000 fans screaming. I can't get my breath. The whistle sounding.
With every ounce of effort, every skill that I've got, I'll play the Super League's greatest, give them my best shot. Every minute of the 90, now I'm gonna be a fighter. Cause 1, 2, 3, I'm a super striker. Attaquons donc les prolongations. El Matador! Allô? Le premier à marquer prendra les 3 points. Ha! El Matador a promis des bonbons à Shakes. Mais il les a gardés pour lui. Hey man, faut penser à l'équipe. Et pas seulement qu'à toi. Je pense seulement à marquer des buts. Tu squattes le ballon comme ça? Moi? Mais non! On risque de perdre le match. Si El Matador ne peut pas marquer, alors qui le pourra? Ah ouais? Je si joue tu tout veux jouer à ça, en plein milieu des attaquants! Hé, El Matador! Fais attention! On dirait du ping-pong et les Super Strikers sont le filet. Parlons maintenant de la piètre performance des Super Strikers, emmenés par El Matador. Hydra sera ravi de les voir jouer ainsi quand ils viendront à Strikerland. Et ils peuvent rêver aux 3 points pris à l'extérieur. Rêver? Vu la façon dont ils jouent, et comment qu'on va rentrer à la maison avec les 3 points? Chex! Hein? Dans mon bureau! Tout de suite! Hé, qu'est-ce qu'il a après Chex? El Matador et sa grosse tête tapent sur les nerfs de tout le monde! On peut pas gagner sans marquer! Je fais juste de mon mieux! Mec, aujourd'hui ton mieux, c'était du pipi de chat! Toute notre structure offensive s'est écroulée à cause de ta façon de jouer! Man, je ne veux pas jouer avec toi si tu me compliques la tâche à chaque match. Il y a une chose que je veux que vous fassiez, Chex et toi. Hein? Vous partez à l'étranger pour rencontrer un de mes amis. Oh, Paris, Milan, New York? Non, en Solinésie. Super, on sabote un match et on gagne un tour du monde. Mais coach, je... Pas de discussion possible. Hydra sera ravi de les voir jouer ainsi quand ils viendront à Strikerland. Et ils peuvent... On est bientôt arrivés? Non. Rêver? Vu la façon dont ils jouent, et comment qu'on va rentrer à la maison avec les 3 points? On est bientôt arrivé? Non. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette Solinésie? Qu'est-ce que coach veut que je fasse là-bas? C'est en Solinésie qu'on trouve Chinlon. Ah, là je comprends. On va en Solinésie pour rencontrer le pote du coach, Chinlon. Il n'appartient qu'à toi de remettre El Matador sur les rails. Hé, hey, les Super Strikers, il paraît que vous êtes de célèbres footballeurs. Et surtout, n'oubliez pas, le foot est interdit en Solinésie. Donc, pas de bêtises. Merci, monsieur. Mais on est venu ici pour jouer. Encore merci, messieurs. Quoi?
coach dit aussi que Chinlon est interdit aux étrangers. Ah, on va rester ici? Non. On va vivre chez l'habitant. Tu es loco, amigo! Ça craint! Ouh. Non. Ça, ça craint. On est bientôt arrivé. Wow. Oh. Du Chinlon. Être Shakes? Oh, oh! Déjà des autographes? C'est moi, Shakes. Et je suis... Je suis Ken. Ken? Suivez-moi. Coach a demandé moi de vous enseigner méthode Chinlon. Hein? Ching Chong? Chinlon. C'est un ancien jeu de ballon en Solinésie. Les joueurs forment un cercle et se passent le ballon. Ils font des trucs insensés, mais doivent garder la balle en l'air. Oh, on est venu jusqu'ici pour jouer avec une petite balle en osier. Il y a seulement trois règles, Chinlon. C'est tout. Quand vous comprendrez les règles, Super Strikers devient équipe meilleure. J'essaierai d'être gentil avec toi, Shakes. Chinlon, pas compétition. En fait, l'équipe joue contre elle-même, tu vois. Pour mieux jouer et plus longtemps. Je suis bon, je joue bien et je peux jouer des heures. Et ça, tout seul. Coach, dis-vous, aidez-lui. Tu sais, ce jeu a l'air vraiment dur. On devrait peut-être arrêter avant de se ridiculiser. Ha! T'es loco! C'est peut-être dur pour toi, mais pas pour moi! Règle 1, être prêt! Ouh. La balle peut venir vers vous n'importe quand. J'étais distrait. Ça va être à toi. Oui, oui, Shakes. Je me concentre maintenant. C'est OK. Règle 2, communiquer. Envoie message avec balle. J'ai lu ta passe et le message était « Marque un but !» Oh, coach m'a dit lui grave, mais lui pire encore. À qui le dites-vous? Vous jouez de Chinlon? On vous a prévenu, pas de Chinlon pour étrangers. Nous avertir vous, vous rentrez chez vous. Attendez, quelle est la troisième loi? Qu'est-ce que c'est ça? C'est trop facile. Alors,
Le voyage a été écourté. Les autorités nous ont jetés dehors avant que la formation soit terminée. Le match contre Hydra, c'est demain. Et El Matador s'est mis ses coéquipiers à dos. Il peut rectifier le tir. Oh, on part dans un pays bizarre, on joue au foot sans but, et on se fait jeter par les flics. J'espère que vous l'aiderez à comprendre. Sinon, il reste sur le banc. Quoi? Je sais que Chinnon peut m'aider, mais je ne sais pas comment, Shakes. Rappelle-toi ce que le moine nous a dit. On a besoin de ce moine. Mais pourquoi est-ce que tout le monde veut mon sac aujourd'hui? D'abord le moine et puis toi. El Matador! Regarde qui n'a mis les parchemins dans ton sac. Oh! Viens, allons chercher les autres. Donc vous avez rapporté des souvenirs, c'est ça? N'en rajoute pas, mec. Nous, de toute façon, on le sait que vous êtes éclaté en vacances. C'est pour ça qu'on est allé en Solinésie. Trois rouleaux. Les trois règles du Chinlon. Wow! Génial! Ce sont les dessins originaux des moines de Chinlon. On peut vous l'enseigner. La première loi est d'être prêt. Le ballon ne prévient pas. C'est exactement ce que le moine a dit. Je vous aiderai à apprendre. La deuxième loi, envoie un message avec ta passe. Il faut écrire quelque chose sur le ballon? Montre clairement où tu veux l'envoyer. Ah, donc, il faut rien écrire sur le ballon. Non, on n'écrit rien dessus. Fantastique. Et ma loi préférée, la troisième. T'as droit à une touche de balle. Fais-en bon usage. L'idée, c'est d'être encore meilleur, les gars. Puis faire des trucs de folie. Maintenant ou jamais. Oh. Oh. Comment t'as fait ça? Oh, ça c'est trop cool. Super phase de jeu, Shakes. On dirait que tu fais du breakdance. Vous voyez? Voilà ce qui se passe quand on pense comme une vraie équipe. Ça, faire du Chinlon ici, c'est bien. Mais je sais que le Matador n'est plus le même devant ses fans. Tu l'as dit. C'est bien vrai, ça. Jour de match à Strikerland. On parle beaucoup de ce match contre Hydra. Et qui plus est, on se pose bien des questions à propos des buteurs de Super Strikers. Espérons qu'ils soient mieux organisés pour le match d'aujourd'hui que la dernière fois. Sinon, Hydra remportera la victoire assurément. Finalement, le voyage nous a bien aidés, coach. El Matador aurait pu passer pour un pro du Chinlon à l'entraînement. Espérons-le. Si, vous verrez. S'il joue mal aujourd'hui, il restera sur le banc pour un bon bout de temps. El Matador? Allô? Réveille, bonhomme! Je veux que tu nous vois vous écraser. Je dois marquer pour rester dans l'équipe et rendre mes fans heureux. Tu es prêt à appliquer la méthode Chinlon, mon pote? C'est du foot, Shakes, pas du Chinlon. Oh, faut jouer vite et fort. Prendre plein de ballons pour montrer au coach que je suis toujours le meilleur buteur des Super Strikers. Oh non! Coach va aimer ça.
On dirait que El Matador n'a rien retenu du dernier match. La défense des Super Strikers va avoir bien du boulot si ça continue comme ça. Hey, mec! N'oublie pas le Chinlon simplement à cause de tes fans, t'as compris? Allez, fais-nous mentir, mon frère. El Matador est sur l'aile. Et ça passe au-dessus. À quoi pensait-il? Avec une équipe aussi compacte, si un joueur perd ses moyens, c'est tout le groupe qui risque d'en souffrir. Captain Strong appelle le ballon. But pour Hydra! Les Super Strikers ne montrent rien en jeu collectif aujourd'hui. Et 1-0 pour Hydra. Mais on a l'impression que les Super Strikers sont archi-dominés. Je crois qu'un joueur de Hydra est au sol. El Matador, pourquoi tu tires à chaque fois que tu touches le ballon? Mais c'est en marquant que j'apporte quelque chose à mon équipe. Non! C'est en jouant collectif que tu apportes à ton équipe. N'oublie pas ce qu'on a appris. Oh, désolé. Écoute, tout n'est pas perdu, mais faut qu'on s'entraide. On est une équipe, oui ou non? Super Strikers à trois! 1, 2, 3, Super Strikers! Dites-moi juste ce que vous attendez de El Matador. Entreprend quelque chose d'intéressant. Oui, on dirait qu'il lance une tactique assez spéciale. Soyez prêts, le ballon peut arriver à n'importe quel moment. Envoyez un message avec votre passe. On a droit à une touche de balle. Faites qu'elle compte. El Matador! Les Super Strikers égalisent! La foule est en délire! Ouais! Et les Super Strikers ne sont même pas en danger! Du légendaire capitaine des Super Strikers. Il ne reste plus qu'une poignée de secondes à jouer. Mine de rien, les Super Strikers sont allés chercher une victoire inespérée. Je suis désolé, coach. Je n'ai pas marqué de but. On a joué collectif et on a gagné. C'est ça qui compte. Je suis encore un Super Striker. Mais bien sûr que oui. D'où sortez-vous cette incroyable stratégie de formation en cercle, dites-moi? De Solinésie. De Soli quoi? Une idée du coach, bien entendu. De qui d'autre? Eh bien, tout est dit. Je rends l'antenne au studio. Solinésie? Ah, Chinlon. On a encore une chose à faire. Où on va maintenant, Shakes? On va rendre à notre ami en Solinésie ce qui lui appartient. On va revoir Ken? C'est Keen. Ken? Ouais, genre. Pourquoi?
Est-ce que cette fois, on pourrait ne pas jouer au Chinlon, Shakes? Toi alors.